nous. Nous. Oh.
qu'on est arrivé. T'es encore là, Lou ? Lou n'a jamais véritablement été en vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. Je te remercie pour tout. Cet enfant est spécial. Il est unique. Un bébé potentiel. Peut-être, oui. Ou alors... un sacrifice. Une fondation. Un pont. Je t'ai apporté un astronaute. L'homme peut aller partout où il veut, y compris dans l'espace. Tu vas bientôt sortir de là. Et dès que toute cette histoire sera terminée, je te promets de t'emmener où tu veux. Je peux vous aider ? Moi que je rêve. John. C'est bien vous. Capitaine. Qu'est-ce que vous faites là ? Ma femme est hospitalisée. Ils veulent éviter le drame de l'an dernier. À Manhattan. La néantisation. Je suis vraiment désolé. Je savais pas que c'était vous le mari. On avait pourtant un accord. Vous m'aviez dit que vous feriez tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est le cas. Mais on ne peut pas laisser partir votre fils. Faites-moi confiance, c'est mieux comme ça. Dis la femme au masque qui n'a fait que me mentir depuis le début. Il est de mon devoir de protéger au mieux notre pays. Et je n'ai bien souvent pas d'autre choix que de mentir. La présidente m'a accordé le niveau le plus élevé de droit d'accès. Comme ça, j'ai pu manipuler le système de sécurité. Nous avons 5 minutes avant qu'il ne se relance. Ça va nous permettre de parler vraiment en privé. Prenez bébé et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Vous étiez mon supérieur direct. Mais là, j'ai prêté serment à la présidente. Je dois les protéger, elle et le pays, quoi qu'il m'en coûte. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez ? Vous risquez votre vie. Parce que vous... vous m'avez sauvé la vie, chef, et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. À l'époque, je me croyais invulnérable. Je me prenais pour un héros de film d'action. Mais je n'étais pas un héros. Vous, oui, chef. C'est entièrement grâce à vous que je suis vivant. Et il est largement temps que je vous rende l'appareil.
Il transfère votre fils dans une nouvelle installation demain. Vous ne le reverrez plus jamais. Il sera la clé de voûte d'un réseau de communication en développement. Un sacrifice pour une nation qui n'existe même plus. Il y a là tout ce que vous devez savoir. Pas le choix si on veut échapper au système. Brûlez-le, ne le gardez pas. Pour le reste, tout dépend de vous, chef. Que ceci est à vous, chef. Je ne peux pas arrêter la machine qui maintient votre femme en vie d'ici, à cause du système. Alors, hélas, il n'y a pas d'autre solution. Son cœur arrête de battre, une alarme se déclenche. J'ai fait en sorte de simuler ses fonctions vitales. Mais vous aurez peu de temps. 5 minutes tout au plus. N'hésitez pas, chef. Vous n'aurez pas d'autre occasion. Je suis désolé, Lisa. Ne t'en fais pas. Je prendrai soin de lui. Je te le promets. Je te le promets. Bébé. Bébé. Bébé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est papa.
Je viens juste de mettre vos menottes hors ligne. Dans cet état-là, rien ne vous empêcherait de les retirer. Si vous le faisiez, les UCA n'auraient pas moyen de savoir où vous êtes, ni de vous retrouver. Vous seriez invisible. Si vous utilisez l'incinérateur, vous serez automatiquement reconnecté au réseau Kiral. Vous pourriez éventuellement essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir. Mais ça reviendrait carrément à désobéir à un décret officiel.